Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est TenCraft, on se retrouve aujourd'hui sur Planète Crafter en multi. On est reparti, alors rappelez-vous la fois précédente, pourquoi je suis sur cet écran? Parce que nous faisons l'introduction à l'heure actuelle à 745, je fais l'introduction à 745,19 millions d'indices de terraformation, en sachant qu'à 750, on débloque quelque chose de très important. Je vous en dis pas plus, on va basculer in-game, on va retrouver Alex Cord et Elou, nos fameux compères, nos fameux compagnons pour cette aventure de terraformation hein, d'une planète exoplanète que l'on ne connaît pas. En tout cas les amis, j'espère que vous appréciez le contenu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à venir sur Discord pour discuter avec moi, Elou, Alex et les autres abonnés bien sûr sur Planet Crafter ou sur plein d'autres jeux. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à rejoindre et à vous abonner à mon Twitter. Tout est en lien dans la description de la vidéo, bien sûr. Alors, à l'ordre du jour, beaucoup de choses, mais je pense que je vais vous expliquer tout ça in-game. On bascule in-game juste après, et écoutez, on les rejoint. Allez, à tout de suite. Les amis, nous voici en compagnie, ça y est, de Alex Cord, qui nous fait coucou. Elou, je ne sais pas où il est. Ça y est, on est reparti. On est là, bonjour, voilà, je viens de passer. On est reparti in-game, les amis, et aujourd'hui, beaucoup de choses à faire, rappelez-vous, tenez. Ah, on a la vitrine, formidable. Voilà, la barre de super alliage débloquée à 750 millions d'indices de terraformation, c'est un petit peu... Ça va nous changer la vie, le fait de crafter la barre de super alliage. Bon, beaucoup de choses au programme d'aujourd'hui. Je pense qu'Alex va avoir du taf au niveau des fusées. Oui, on a débloqué la fusée de graines et la fusée de plantes. Je crois que c'est deux fusées différentes. On va avoir un maximum de multiplication, duplication d'oxygène. Donc ça fait plaisir. Bon, va falloir aussi qu'on pose les fusibles d'oxygène. On a déverrouillé pas mal de choses en votre absence. Le manipulateur d'ADN. On va pouvoir poser les extracteurs minerais T2, ça c'est franchement bien. Et écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de taf, mais avant de commencer, je voulais quand même vous présenter un petit peu l'infrastructure qu'on a construite avec Elou, donc c'est-à-dire les deux biodômes. Formidable. Biodôme T1, biodôme T2, voilà, qui permet... C'est un petit... Là c'est deux T2 je crois. C'est deux T2, oui c'est ça, il nous restait le T1 à faire je crois. Ouais. Il me semble. Donc, je te laisse le soin de poser le T1, qui a quand même... Je sais pas si j'ai les ressources, là, sur moi. Faudrait vider les foreuses pour ramener le fer et le... Oui, parce que je crois que là, on a plus du tout de fer. Ah oui, on n'a plus rien, en fait. Hein. On n'a plus de fer, c'est compliqué. J'ai fait ma vitrine, je suis content, voilà, j'ai fait ma connerie. Ça y est? Alors, montre-nous. Ça brillait, j'étais content. C'est joli, c'est joli. Hey. Rappelez-vous la fois précédente. Ça, un peu mise en valeur dans un quartier de vie avec des canapés et tout. C'est pas mal. Hein. C'est les petits minerais. Hey. Donc, on a découvert lors de l'épisode précédent tous les quartz différents. J'espère qu'ils nous sont, ils nous serviront quand même autre que dans la vitrine. Hein. Écoute, j'espère. Donc, on a dit... Ah oui, des multiplicateurs d'oxygène et des fusées. T'as deux types de fusées, je crois. Déjà, je vais bosser sur les multiplicateurs d'oxygène parce que je peux les faire depuis là. Ils sont où? Ils sont là. Je vais aller chercher les extracteurs de minerais. Là, je vais aller les vider. Est-ce qu'on a des stocks de poudre explosive? Dites-moi. Je crois pas, non. Il va falloir en faire. Il va falloir en faire. Et ça continue à monter à une vitesse affolante. C'est tellement bien. Bon, par contre, dès qu'on va activer l'oxygène, on va multiplier l'oxygène, ça va être encore plus sympa, je pense. Ça va être intéressant. D'ailleurs, j'allais dire, on peut mettre une poreuse au moins T1 dans le truc de soufre, histoire d'avoir un revenu de soufre à peu près constant. Mais... La T2, il faut quoi déjà pour la construire? Des barres de super alliage, par exemple. Ah oui, c'était ça. Donc effectivement, on va pouvoir avancer. Un cycle de l'osmium et des parts d'iridium. On va pouvoir avancer là maintenant qu'on a débloqué tout ça. Très très bien. Alors Elou, t'en sors-tu avec le biodôme T1? Récupère.
Bon, il me faut je du suis fer. En train de regarder où c'est que j'allais le mettre. Tiens, je t'en apporte du fer. Il me faut du fer. Oh, il me faut une graine de. Ah bah, juste deux. Ah, il m'en faudrait quatre idéalement pour faire ce que j'ai en tête. Je vais aller vider les autres. 2 secondes. Ouais, là il m'en manque plus qu'un. La foreuse en avait refourni un. Titane. Oh, ça y est, on commence à gagner des plantes. Des Volnus là. À bonus 500%, c'est bon ça aussi. Ah, ça, c'est très bien. Mon petite dédicace. Moi je vais crever de soif. Petite dédicace à Draxa qui suit la série ainsi que Sam qui commente. Merci à tous les deux de suivre la série, ça nous fait super plaisir. Alors, je vais aller chercher un peu les autres. J'ai de quoi boire, j'ai pas de quoi boire. Là j'ai une plante 500%. Je vais la mettre à la place de celle-là pour l'instant. Celle-là je vais la mettre à la place d'une de celles-ci. Alors, et on commence aussi à avoir plein de zéolithes là qui sortent de terre. N'hésitez pas à les prendre. Ouais. Est-ce que je vais pouvoir aller jusque là-bas? Là, pour l'instant, je vais attendre la réception du fer. Histoire de booster un peu l'oxygène. Est-ce que je peux essayer d'optimiser ça? Je pense que oui. Ah, t'as mis du coup le la plateforme ici, ok. Ouais, j'ai tenté des trucs. Oh. Plus de météorites sur moi? C'est du super alliage! C'est pas vrai. C'est du super alliage! Elou! Arrête, place, les enfants! On arrête tout chasse. Ce que vous faites! Tout le monde arrête! Let's go! Bon. Je suis dehors, je suis en chasse, j'arrive pas à en trouver un. Oh, je viens de. Oh non! Je viens de m'en prendre une sur la gueule. Je suis mort! Alors, hop, je ramène un peu d'alu aussi. Est-ce que je suis mort avec. Non. T'es vraiment mort? Ah oui, oui. Ah oui. Et le problème, c'est que je suis mort par exemple avec des multiplicateurs d'oxygène. Non, mais attends, mais c'est pas vrai. C'est. Malheureux. Ça, c'est. Infernal. On le rappelle à ceux qui regardent la vidéo. Donc, nous sommes en mode difficile, bien entendu. Et donc, tout ce que l'on a dans notre inventaire est détruit lors de la mort. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai envie de crever. Wait, non, je suis mort. C'est bon, c'est fini les missiles à tête chercheuse là? Quel enfer. Est-ce que t'as pu en récupérer quand même? C'est la question. Et ça tombe encore. Le problème c'est que j'ai rien pu récupérer de ce que j'avais dans mon inventaire avant. A savoir que 2 des 3 multiplicateurs d'oxygène, je les ai perdus. Oh là oui, oh là ouais, ils sont tous là. Attendez, je vais essayer de me vider avant de. J'ai vu où il y en avait plein. Attends. Oh là là, je crois que je vais pas avoir le temps. Faudrait. Bon, après, du super alliage, j'en récupère. Ça, c'est pas le souci. Mais le problème, c'est que j'ai perdu tout ce que j'avais avant, quoi. Ça, c'est un problème. Et les multiplicateurs d'oxygène, le problème, c'est qu'on peut pas les fabriquer. Ben non. On ne peut pas. Donc, quand ils sont perdus, ils sont perdus. Ce qui, je trouve, est assez dommage, mais. C'est vrai. Alors, on va essayer d'y aller. Et Lou, t'as pu en prendre des super alliages? Ouais, j'en ai un demi-inventaire pour le moment. Ok, c'est cool. C'est en train de disparaître. Ouais, mon inventaire est presque plein de super alliages, mais. Ça disparaît à une vitesse, par contre. Mon inventaire est plein de super alliages. Super. Je vais piquer de l'aluminium, je vais tout de suite faire des tiges, hein, y a pas de raison. On va pouvoir faire des extracteurs T2. J'ai fait 3 tiges de super alliage. Hein. Alors comment avance l'oxygène? Vraiment très lentement. Bah pour l'instant ça avance pas. Parce que j'ai pas eu le temps de poser mes multiplicateurs. J'suis bah mort alors avant. Super alliage 3. Je suis mort avant. On va essayer de faire un. Mon seum est conséquent. C'est vrai, c'est un d'alu. Cobalt. On a plus de souffle du tout, je crois, en plus. Voici, on en a 4. Super alliage ici, c'est fou. Zéolite, je ramène 2 zéolites. Et je vais aller refaire un tour. On va manger quand même. Ah, j'ai pris une aubergine. Bon, là, on va plus avoir de souffle. Oh, le seum d'avoir perdu les générateurs d'oxygène, là.
Fusible, ouais. Heureusement qu'il en reste un. Ouais, heureusement, ouais. Est-ce que si tu le mets au milieu des trois biodômes, ça marche? Je sais pas du tout. Ah, peut-être, sûrement même. T'as réussi à mettre le biodôme T1, Elou? En fait, j'ai toujours mon problème que j'arrive pas à déconstruire. J'ai bien de l'aide là, j'ai bien tu. En fait, j'essaie de. Je sais pas trop où le placer. J'aimerais le placer quelque part, mais il faut casser ces deux blocs là. Enfin, je sais pas trop. Oui, ça a l'air de marcher sur les biodômes. Super. Bon, attends, j'arrive, Elou, parce que je suis à l'alu là. J'ai bien dit, ça a l'air. Je termine mon aller-retour. Ça reste extrêmement long, hein, on va pas se mentir. Hein. Va falloir lancer des fusées. Oui. Et c'est maintenant ce que j'ai sur ma to-do list. Oh non, j'ai perdu les deux moteurs de fusil aussi. Oh, ah ouais, ça. J'ai tout perdu. Bon. C'est ça. On va en refaire, hein. J'arrive avec de l'alu, du fer. Est-ce que tu veux que je te donne les recettes des fusées parce que je suis à côté de la plateforme? Bah quitte à y être, ouais. Ça pourrait être intéressant. Alors. Fusée à plantes, c'est pour le multiplicateur de plantes. Fusée à graines, c'est pour le multiplicateur d'oxygène. Donc pour la fusée, okay, à graines, deux super alliages, un moteur de fusée, un échantillon de bactéries, un mutagène, une écorce d'arbre. Alors, échantillon de bactéries, mutagène, écorce d'arbre. Bon. Ok. Est-ce qu'on a des algues en stock? Oui, oui. Ou t'en as une bonne armoire, je pense. Bactéries, j'en ai deux, il m'en faudrait 5. Ouh, j'ai eu chaud avec l'oxygène. Ok. Il va me falloir du mutagène ensuite. Et mutagène, ça va être un peu plus complexe à avoir. Tiens, bah Elou, une fois que tu auras fini ce que tu es en train de faire, je vais te montrer quelque chose. Du coup, tu me diras quand, okay, tu seras dispo. Bah, en fait, il faut que tu m'aides à déconstruire les trucs, ah, parce que j'ai un bug. J'arrive. Je suis au soufre. Alors, là, j'arrive. Échantillon de bactéries, c'est bon. Du méthane et du soufre. Ah, il me faut du soufre. Et le méthane, si on en a un petit peu, je crois. Ouais, bah on en a même plus qu'un petit peu. Ok, super. J'ai ce qu'il me faut en méthane, il me manque juste du soufre. Ce serait bien qu'on mette au moins une fourreuse T1 dans la... Silicium. Dans le truc de... soufre. J'arrive, Elou. Alors, dis-moi. En fait, il faudrait déconstruire ces deux-là, ici. Là, c'est deux solos. Non, les deux petits, là. Je vais mettre une foreuse dans le biome de soufre, au moins. C'est bon? Ouais. Et après, il faudrait m'aider à construire les échafaudages, parce que moi, j'ai des hitbox buggés pour combler au fond. Les hitbox sont souvent buggés. Hein. Attends, est-ce que j'ai du fer? Oui, j'ai du fer. Non, mais tiens. C'est bon, elle va mettre du soufre. Bah, c'est juste pour faire un peu structure, mais moi j'arrive plus à les coller. Toi non plus? Où est-ce que je pourrais trouver du soufre? Moi non plus. Pourtant, tu vois, le bâtiment il est collé et là t'arrives à les mettre en dessous. Enfin, j'arrive à les mettre en dessous. C'est bizarre. Bah non, moi non plus. Attends. Y'en a pas dans. Dans la grande d'iridium, genre. Eh non. Ça va pas. Oh, c'est bizarre. Ouais. Bah sinon, essaie de casser et remettre le biodôme. Tu veux... Les trois comme ouais, ça, ça le fait. Ouais, une croix, je pense c'est pas mal. Avec un devant. Fais un de plus, là, dans une petite pointe. Tu m'as bloqué. t'es bloqué. T'es encore bleu? Ouais, c'est bon. J'ai réussi à te... Ah bah, t'étais en prison, là. Hop. Ouais. Allez, biodôme par-dessus. Il est où, l'entrée? Je crois qu'il était là. En fait, ce serait peut-être mieux, du coup, de décaler la croix d'un. Je crois que je l'avais mis là, le biodôme. Attends, je crois que je peux le faire. Tu veux dire l'entrée ici? Attends, j'ai récupéré l'oxygène.
Ouais, moi aussi. J'ai vite fait boire un coup, faudrait réapprovisionner de l'eau. Est-ce qu'il restait beaucoup d'algues ou pas, Alex? Il en restait, mais il va pas en rester assez pour faire ce que j'ai envie de faire. Ok, j'irai faire une petite récolte d'algues. Moi là, je suis à la recherche de soufre, j'en trouve pas, ça me rend dingue. Elle était aussi loin la croix? Il m'en manque J'ai un. posé une fourreuse par contre dans le biome de soufre, donc Tu peux si à mettre la limite un vous là? pouvez jeter un Non, coup je d'œil fais de pas. temps en temps. Ça bug Ah, avec mais le si tu biodôme veux. T2. Bah vas-y, enlève-le, on va le mettre après. Là, je suis dans le biome de super quartz là, du côté du Ça fait cratère, et peut-être je ne vider trouve pas de son. soufre, j'ai envie de crever. Je pense qu'il y a des écorces. Donne-les à Alex les écorces s'il en a besoin. Bah, av avant de me donner des écorces, trouvez-moi du soufre. Genre vraiment. Il veut pas se coller lui. Ok. Attends, on va mettre le, on va mettre les échafauds, les fondations avant de mettre le T2. Ce sera Ok. plus simple. Attends, je vais chercher du fer. On prend comme ça, c'est ok. Je pense que ça devrait le faire. On va voir. Alors, biodôme T2, c'est parti. Le T2, il est là. Ok. Et le T1 qui doit normalement passer. C'est limite. Est-ce que ça te va comme ça? Attends, parce que du coup j'ai choisi autre chose. Hop, je déplaçais les cristaux au dernier étage. Je l'avais fait l'autre fois. Yes. Bah là, il y a un peu de soufre, voilà encore. Ouais, ça va, c'est pas mal. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Mais du coup, ouais, faudra mettre les échafaudages en dessous. Peut-être faudra le déconstruire et mettre les échafaudages en Ouais, dessous, mais le on n'a pas T2, assez de ouais. fer pour le moment. On le fera petit à petit. Ouais, on fera plus tard. Ok, bon, allez, Ok, c'est ça y est, j'ai trouvé le parti. soufre qu'il me fallait. Alors, la nourriture, on fait un petit tour. Oui. Je vais aller chercher des algues. Et dès que t'es dispo, tu viens avec moi et Lou, je vais te montrer un truc. Ouais, j'arrive. Dans 2 minutes. Hop. Alors les aubergines, je les monte à l'étage si besoin. Aubergine. Bon, ça produit à la chaîne, ça produit à la chaîne. Et c'est pour ça qu'il va me manquer des algues, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Alors. 7, 8, On les met 9. où les écorces d'arbres? Je crois qu'il n'y a pas de coffre pour. Tu peux mettre dans. Si, je crois que j'en avais fait un. Je sais plus. Précisément où. Ah oui, t'en as fait un. Je vais chercher de l'algue, Alex. Bon, ça, j'ai ce qu'il me faut, mais il en reste que 4. Donc, de toute manière, il va falloir refaire le plein. On peut commencer à poser des extracteurs T2 ou pas? Bah écoute, normalement oui, normalement oui. Alors, je vais voir vite fait les algues. Je vais avoir de quoi lancer 5 fusées à graines, je crois. Ah oui! Ah oui, non, mais quand je fais les choses, je les fais quoi. Il me manque juste 5 écorces du coup. Elles sont où? Elles Ben, je sont pensais dans que. la salle de biomasse. Biolab. Ici, Ok. Allez, parfait. Bloup. On mange, on boit et on part construire des fusées, bien Oh, mais. sûr. T'es où, Tencraft? Wow, c'est incroyable, j'avais pas vu ça. Attends. J'arrive, je reviens avec des algues. Par contre, ils ont rajouté dans l'eau des coraux. C'est trop stylé. Oh, sérieux? Ouais. Moi qui trouvais que ça manquait de vie dans les océans. Et bah là, il y a des coraux et tout, hein. Franchement, c'est sympa. Bon, il faut peut-être qu'il y ait des générateurs d'algues au-dessus pour que ça marche, non? Je sais pas. J'arrive avec des algues et puis on va pouvoir y aller, Elou, si tu veux. Juste te montrer. Alors. Je vais vider les algues. Alors, c'est des fusées à graines que je peux faire. Hop, algues, c'est parti. Oh, Une. c'est quoi qui tombe? Ah C'est non, pas des c'est. trucs qui tombent, c'est des trucs qui partent. Ah merde, je viens d'en faire deux qui ont fusionné en même temps. Tu peux Au lancer les dés? secours! Oui, mais les deux, elles sont vraiment ensemble, là, elles sont collées. Oh mon Ça dieu, va. l'hybride. Oh le monstre. Oh, ça part de traviole. Qui a vidé mon stock Formidable. d'eau là, vraiment? On se demande. On se demande, hein. Il va falloir aller faire un récupérateur de lac. Je vais épingler ça. Ok, viens avec moi, Elou. Si t'es ready. C'est pas très loin donc ça va. Je vais juste prendre une courge. Let's go. Là. Allez. Ça part à la chaîne, j'en ai rien à foutre.
C'est quoi qui tombe avec les graines? T'as quand même des météorites ou pas du tout? Non, t'as rien. Non, y a rien qui tombe. Donc là, regardez un petit peu la terraformation en haut à droite. Oh là voilà, j'ai lancé mes 5 fusées, je reviens en faire plus. D'ailleurs, je vais peut-être crever par manque d'oxygène, du coup, vu que j'ai plus rien dans mon... C'est ce que t'avais cheat la fois précédente. Ah. Et là, si tu cliques dessus, normalement, tu peux monter, tu vois. Ok. Et là, du coup, on va pouvoir le faire. Par contre, c'est un peu dans les nuages, là, mais... Normalement, tu dois avoir des petites caisses par-ci par-là. J'ai peut-être fait quelques bêtises. On est vraiment dans les nuages. On voit plus rien. Je crois qu'il y avait des coffres ou des choses comme ça par ici. À moins que c'est j'ai pas encore... peut-être déjà pris l'autre fois. Hein. Je me rappelle plus. J'en ai un là. Il est vide. Bon, il va falloir que je me fasse quand même quelques fusées en okay. plus. Bon voilà, bah, c'était pour te montrer l'accès du coup à cette partie-là qui est normalement gérée par une énorme racine qui descend, on va dire, du ciel. Hop. C'est l'haricot magique. C'est le voilà, c'est ça. Ah si, il y en a une là. C'est l'haricot magique, exactement. Super alliage. Et là, si tu veux redescendre, tu recliques. Normalement, ça te ramène en bas. Je ne vois absolument rien. Ah, c'est mieux. Pardon. Deuxième volet. Ok, faudrait que je fasse ça du coup. Ah mince, c'est deux super alliages par. Oui, c'est deux super alliages par fusée. On avait pas un deuxième coffre de super alliage? Il y en a à l'étage plein. À l'étage, juste en face quand tu montes. Ah oui, formidable, merci. Tac tac. Donc, il va falloir que je me refasse des échantillons de graines, des machins de bidule. Allez, boum, le chauffage T4, qu'est-ce qui se passe? Oh, magnifique. Alors là, chauffage T4, c'est parfait. Et en sachant qu'à 1, on sera à 1 giga d'indice de terraformation, on a l'exosquelette T3. Ça, c'est bien. Du coup, on a dit quoi? On a dit chauffage T4. Qui est en extérieur. Je vais peut-être faire juste d'abord ça, récupérateur d'eau de lac. Magnésium alu. Par contre, pépite de bioplastique. Alors ça... Je crois que ça va, c'est pas trop chiant à produire. Me semble-t-il. Ah, c'est les champignons. En tout cas, ça demande du champignon, quoi. Ouais. Je sais plus si t'avais fait une armoire, et où pépite de bioplastique. Au secours, j'ai encore semble, oui, le stock d'eau. Pareil, dans le biolab. J'ai totalement vidé le stock d'eau. Il y a super alliage, bactéries, algues, engrais, plastique. Okay. Oh, c'est juste à droite en entrant. 4, 5, 6. Ok, c'est bon. Merci. Allez, la production d'eau là. Oh là, c'est long. Ouais, je vais faire deux collecteurs. Ah, l'exosquelette T3. Et du coup, on atteint le premier giga. 1,00 giga d'indice de terraformation. C'est trop trop cool. On avance bien quand même. Malgré la difficulté difficile, on avance bien. À limite alors. Trop vite, j'ai pas le temps de faire ma déco. Oh, t'inquiète pas, c'est pas fini. C'est pas fini, tu auras le temps. Alors, du coup, il est là. Bon. Du coup, il y a plus de soufre. Alex, quand tu vas vers l'épave, quand tu vas vers l'épave dans le désert. Mmh. Les lacs qui sont juste devant la pente, là j'ai mis deux collecteurs d'eau. Ok, j'y cours, j'y monte et j'y saute. Bon, le problème c'est que pour l'instant ils sont vides. Ah, ah oui, le temps que ça. Que ça récupère. Et t'as. Mmh. T'as regardé à l'étage? L'étage dans l'armoire d'eau à l'étage. Ah, il y a une armoire d'eau à l'étage? Non, j'avais pas regardé du tout. Ah, mais t'en as plein ici. Formidable. Et est-ce qu'il y a du soufre aussi? Accessoirement. Soufre. Il y en a un que j'ai mis dans le coffre en bas. Il y en a deux du soufre. Ah. Il va m'en falloir au minimum 5. De l'eau. Je range le cobalt, le titane. Qui est de l'autre côté. Okay. La courge, je vais la garder. Bon, je vais la consommer. Zéolite et graines de Tusca.
Il y a vraiment beaucoup de graines. Hein. Tac, tac, tac. Ouais, bah il me manque 5 de soufre. Hein. On va pouvoir désépingler ça. Chauffage T4. Super lien. En fait, on va peut-être refaire ça. Pour l'instant. Comment avance l'oxygène du coup? Bah écoute, si j'en juge, je pars le fait. Si, ça va déjà un peu plus vite. Ça va déjà un peu plus vite. Ouais. Heureusement. J'ai encore besoin de soufre. L'oxygène. C'est une souffrance. J'ai souffre. C'est une interfusion nucléaire à 750 pour la chaleur, la pression. 13,33 pascal. HT4. Que je fasse ça, exosquelette aussi. Dès que j'ai eu un jumpscare en voyant quelqu'un descendre de l'échelle. De quoi? Bah, je suis arrivé sous l'échelle juste au moment où tu en descendais, ça m'a fait sursauter. Tac, allez, osmium. Il n'y a plus beaucoup d'uranium. Non, il se peut que j'en ai mangé quelque peu pour faire quelques-uns pour faire des moteurs de fusée. Allez, exosquelette T3, je suis bien. Allez, on va repérer des algues. Oh, c'est que ça commence à être un peu la dèche dans toutes les armoires là. Ah bah là, avec les nouvelles recettes, ouais. Ouais, ouais, ouais. Écorce d'arbre, je te ramène ça. Il se fait son petit salon, Elou. Bah oui. Un petit salon pour boire le thé. Un peu de déco dans ce monde austère. Un petit peu de décoration. Okay. On va essayer de faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, j'ai de quoi ce qu'il me faut faire. Ce qu'il faut. Il me faut juste de l'eau maintenant. Et ça va le faire. Ok, c'est parti. Donc, du coup, je vais installer un extracteur de minerai T2 dans la zone d'osmium. Yes, ce serait cool. Ah, il fallait s'en douter. Bah oui. Il fallait s'en douter un peu. Et puis. D'ailleurs, je pense qu'on pourra aussi remplacer les foros T1 par des T2. Hein. Oh oui. Ça nous rendra un peu de matériaux. D'ailleurs, en passant dans le meilleur taux de génération. Dans la grotte d'osmium, il y a plein de soufre, donc j'en prends là. Hein. Oh bah ouais, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Je vais aller refaire un générateur nucléaire. Je me suis trompé, c'était pas par là. J'arrive avec du soufre. On n'a pas d'autres écorces qui ont été générées depuis? Si, j'en ai fait 4. Je les ai collectées. Je les ai mis dans l'armoire. Ok. Eh ben, il m'en manque plus qu'une, donc on attend que le courant soit rétabli. Yes. J'arrive. Ok. Du coup, on a dit quoi? Réacteur nucléaire. Alors. Low power. Ah oui, ça pique ça. Ok, j'en ai 3. Ouf. Oups. Si tu nous déconstruis notre établi, ça va pas le faire. J'ai pas fait exprès. Dessous. Ok, c'est parti. Je vais rétablir le courant. Oh, c'est devenu tout jaune. Ouais. T'as encore lancé une fusée, c'est ça? Non. C'est bon, c'est parti. Non, non, non. Je n'ai pas relancé de fusée. Ah oui, le petit coin salon, là, c'est sympa. Bah, il manque plus que les diamants sur les sur les vitrines. Et moi, j'aime bien. C'est trop bien. Tu t'installes là. Regarde. Une vue sur les dunes de sable. Ah ouais, non mais... On se met bien hein, sur le champ de réacteurs nucléaires qui peut nous péter à la gueule à tout moment. C'est ça. C'est ça qui vaut. Avec une vue sur le dôme, un petit screenshot, c'est magnifique. Ok, nickel. C'est absolument formidable. Et là, on arrive quoi? Il y a quoi dedans? Ah oui, il y a tous les quartz, ok. Ok, bon. Le générateur nucléaire T2, c'est fait. Fusée. On a fait une fusée de graines, on n'a pas fait fusée de plantes pour l'instant, mais bon, ça doit pas être
trop utile pour l'instant. Le manipulateur d'ADN qu'on a débloqué aussi. D'ailleurs, je vais le faire, comme ça, ça sera fait. Où est-ce qu'il est? Il est là. Alors, de quoi on a besoin? Ah. Super alliage. Ça, c'est de l'engrais. Plastique. Ah oui, de la poudre. A... Ah, c'est lent, la génération d'écorce, au secours. Ah oui, c'est très très lent. Zéolite. Osmium. Ouf, j'ai pile poil ce qu'il faut. Hein. J'ai un osmium. J'ai un osmium sur moi s'il faut. Ok. Je voulais faire autre, un craft, mais ça rendait pas comme je voulais. Non, mais j'ai là c'est crafté. Bon. C'est bon, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Je fais juste. Voilà. Écoute, on va mettre ça en place. Ah, voilà. L'écorce qui me manquait. Formidable. Formidable. Je peux planter la graine dorée dans le pot de fleurs ou pas? Oui, après, ça lui donne pas forcément le meilleur bonus de génération d'oxygène. Bon, j'en mets une autre alors. On a les graines d'arbres qui commencent à pousser, donc le générateur qui est ici, c'est bien. En même temps, dans le placard, c'est sûr qu'elles produisent de l'oxygène. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Vous avez laissé une graine dorée dans un placard? Ouais. Quel enfer. On va mettre là, tant pis. Ok, utilisateur d'ADN, c'est fait. Je fais un petit tour d'eau. Faites gaffe, potentiellement d'ici quelques secondes, ça va trembler à nouveau. Merci de prévenir. Hop. Alors, je vais aller juste jeter un coup d'œil vite fait. Est-ce qu'on a récupéré de l'eau ici? Oui, très bien. Ok, je ramène de l'eau. Alors, qu'as-tu envoyé cette fois-ci? Bah, j'envoie 5 nouvelles fusées de génération de graines pour être sûr qu'en oxygène, ça produit un max. Ah oui, bah là, on va être large. Bah, généralement, c'est ce que je fais, j'envoie une dizaine de fusées de chaque. Comme ça, je suis sûr, tu vois. C'est... Alors, je ramène un peu de fer. Ça tremble de partout. Qu'est-ce qu'il faudra ensuite pour les plantes? Ça tremble de partout. Alors, de la lirma, du fertilizer et encore des trucs de décor. De plantes. Enfin, d'écorce, ok. Silicium. Il est où le silicium? Grosse difficulté va être l'engrais, mais ça devrait être jouable. Je ramène pas mal d'eau. Hop. Ah, oui, mais il va falloir de la bactérie pour faire de l'engrais, je crois. Oui, bien sûr. Ou alors, on peut aller explorer, la bactérie, mais je pense que. L'algue, je sais plus. Pour faire quoi? Pour faire de l'engrais. Faut de l'aubergine, ça je sais. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Sans doute, je vais ramener des algues, mais... Pour de la bactérie... Pour de la bactérie, non, c'est non, trois... Non, pour de l'engrais. Trois algues, un soufre, deux aubergines. Ok. Trois algues, un soufre. Oh, on peut vraiment s'asseoir sur les canapés. Ah ouais, tu peux, ça te fait un petit visuel. C'est pas mal, hein. Alors elles sont pas matures ces algues. J'ai fini mon petit salon. Allons voir ça. Ah nickel, le petit néon rouge. L'écran de biomasse. Excellent. La petite plante. Magnifique. Eh, franchement c'est bien, un petit cosy, hein. C'est vraiment cosy. Alors, oui, parce qu'à part des coffres, on a rien dans cette base. Ah bah non, c'est clair. En même temps, rien ne t'appartient, toute est ta propriété de du gouvernement qui t'emploie. C'est ça. Oxygène, je vais mettre envie vite fait. D'ailleurs, est-ce qu'on a posé l'antenne et l'écran de réception des communications? On ou l'a est-ce pas qu'on posé, s'en je crois pas. Battu les steaks. Ouais, d'accord. Je crois pas. Bah pour Elou, ça aurait été bien quand même. Histoire. Pour Elou, ça aurait été bien quand même. Oui. Ah, c'est ça de speedrun un jeu. Faut que tu me dises, Elou, hein, si tu veux faire le lore, n'hésite pas à le dire. Non, mais je pense que le lore, c'est un truc que tu dois faire en solo, tranquillou. Oui, c'est vrai. Tu découvres en solo. Alors, le méthane... Ah oui, je l'avais mis là. Ok, ça, c'est good. Ah, des algues, c'est... On va peut-être faire ça
vite fait. Non. L'aubergine, vous la stockez en haut, je crois. Hein. Oui, elle est en haut, l'aubergine. Ouais, c'est ça. Ça commence 1, à être la dèche de partout. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, là, si je regarde l'oxygène, je manque d'algues. Oui, l'oxygène explose. Il faudra maintenant mettre de la chaleur, mettre des chauffages T4. Mais ça, je pense qu'on va se garder ça pour la fois suivante. Et regardez, on arrive quand même à 50% au niveau de l'herbe en progression vers les arbres. 50% d'avancement de terraformation, c'est quand même vachement bien. Les arbres seront la prochaine étape et ça, c'est trop cool en vrai. C'est trop trop bien, on va pouvoir après optimiser la production des arbres. J'ai créé le manipulateur d'ADN, donc on va pouvoir faire des graines d'arbres. Donc ça, c'est cool. Okay. Par contre, on commence à être compliqué sur plein de ressources. Là, ça commence à être un peu limite. Il va falloir qu'on s'occupe de ça, je pense. Ça et la chaleur. À mon avis. Hmm. Faut faire plus de foreuses, à mon avis. Ouais. Pour qu'on ait plus de production de minerais, là. Ouais. Ça, c'est une certitude. Il va falloir poser des T2. Il va falloir poser des T2, mais ça demande pas mal de ressources. Donc, écoutez, les amis, on va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à liker et à commenter, n'hésitez pas à dire bonjour. voilà, allez, sur ce, très très bonne soirée à tous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Allez, ciao, bye bye, ciao.